ce projet a vraiment été quelque chose d'extraordinaire à vivre parce que c'était un élan collectif vraiment formidable. C'est-à-dire que tout le monde s'est investi de façon bénévole, tout le monde est venu avec ses qualités professionnelles, ses compétences, jouer le jeu pour ce film. On est une équipe, d'abord une équipe de cinéma professionnel, technique, pour répondre à mes demandes en termes de réalisation. On a notamment eu la présence de Guillaume Simonin en tant que chef opérateur qui s'est donné corps et âme pour ce projet. J'avais déjà fait des images pour un teaser pour un album en fait, pour The Aim. Et quand j'ai vu une annonce qui était liée à ce groupe-là, je me suis dit je vais essayer d'y répondre parce que ça avait un lien et la cause avait l'air intéressante. Il nous fallait répondre à deux critères, c'est un, être professionnel dans le monde du cinéma, et deux, être très sensible à la cause animale. Parce qu'on n'envisageait pas de travailler sur le plateau et dans toutes les équipes avec des gens qui se fichaient éperdument de ce sujet-là. Quand il m'en a parlé, il m'a clairement expliqué que voilà, c'était important pour lui que tous les membres d'équipe puissent être engagés aussi. Donc on a, je pense, réussi à rassembler non seulement des gens compétents, mais des gens qui donnaient vraiment leur temps et leur énergie pour les animaux. C'est un projet qui ne porte pas de jugement, c'est un projet qui amène plus à une ouverture d'esprit qu'à autre chose. Et dans une thématique donc, qui abordait ce sujet-là avec une mise en pratique plutôt surréaliste et esthétique que narrative. On a eu l'immense surprise et la joie de découvrir que des gens peuvent être volontaires et donner généreusement de leur temps et de leurs compétences pour travailler sur un tel projet. Je fais beaucoup de projets sur commande qui me donnent de l'argent mais qui ne me plaisent pas obligatoirement. Pour ma part, il est toujours plus intéressant et d'une certaine manière plus important que le projet ait soit un fond, une idéologie intéressante ou un défi esthétique ou technique plutôt que d'être un simple projet rémunéré. Cette force qu'on pouvait avoir, c'est de réunir autant de personnes pour un même but commun, ce but militant. La grande chose que je retiendrai de ce projet-là, au-delà du fait qu'on se bagarre pour les animaux, c'est qu'un groupe d'êtres humains professionnels peuvent vraiment se réunir ensemble avec une énergie très positive pour défendre une cause.